Heathrow, Fox November Echo. Fox November Echo. Just to alert you, we do have a low oil pressure light that's come on, so we're just monitoring the situation at the moment. Fox November Echo. Fox November Echo, that's understood. You are overhead bath seat if you need it. I think we probably should. Bail, refuel. Salut Low Fuel, c'est le troisième et dernier épisode de cette série sur notre vol au Royaume-Uni l'été dernier. Si vous avez raté le précédent épisode, je vous mets le lien ici. Ça vous aidera à comprendre, et si vous voulez savoir comment on traverse la Manche en hélicoptère, c'est là aussi. Vous avez été nombreux à vous plaindre du suspense insoutenable, et bien voilà, dans cet épisode, je vous raconte ce qui nous est arrivé. En dehors de vous montrer un vol que je trouve passionnant, cela me permettra, dans la plus pure tradition du Rex, le retour d'expérience, de partager avec vous un incident qui aurait pu mal se terminer et qui est entièrement dû à une succession d'événements dans lesquels le facteur humain a une importance prépondérante. Si je reformule dans un vocabulaire moins politicien, ce qui s'est passé est entièrement de notre faute. Mais commençons par l'incident. Je volais donc avec Matthew, l'importateur du Cabri G2 au Royaume-Uni. Nous venions de décoller du Skyport Heliport et volions à la verticale de la Tamise sur l'Ely Lane, en plein centre de Londres. Bien évidemment, ces choses-là n'arrivent jamais quand on survole la Beauce, le plus grand champ de France. Quelques minutes après le décollage, le voyant clutch, qui signifie embrayage en anglais, se met à clignoter. J'imagine que comme moi, vous venez de vous saisir du manuel de vol du Cabri, de vous précipiter à la section 3, procédure d'urgence, et plus précisément à la section 315, voyant d'alarme. En face de clutch, on peut lire qu'en vol, ce voyant correspond soit à une pression d'huile trop basse, soit à une courroie usée, et que l'action immédiate est de réduire la puissance jusqu'à ce que le voyant s'éteigne. Et qu'en cas d'allumage continu, il faut ralentir à 50 nœuds et atterrir dès que possible, tout en se préparant à une éventuelle autorotation. Verticale de l'eau, au milieu de Londres, se préparer à l'autorotation. Avant de vous montrer les images de notre atterrissage d'urgence, on va s'arrêter un instant sur cette situation qu'on aurait du mal à qualifier de situation d'avenir. Pour parler un peu technique, histoire que vous compreniez bien ce qui est en jeu. Pour ce faire, et comme d'habitude, je me tourne vers la documentation constructeur, le manuel de vol, le manuel d'entretien et l'IPC, le document qui montre toutes les pièces de l'hélicoptère. On a donc un voyant clutch allumé, mais qu'est-ce qui l'allume? Si on consulte le manuel d'entretien, on voit que c'est un circuit très simple. Le voyant est relié à un pressostat, un interrupteur qui réagit à la pression d'un fluide et, dans le cas présent, ferme le contact quand la dite pression tombe en dessous de 3,6 bars, ce qui allume le voyant. Je pense que c'est le bon moment pour vous expliquer comment fonctionne l'embrayage du Cabri G2. On voit ici la poulie du haut qui entraîne le rotor et la poulie du bas dans laquelle s'insère le vilebrequin du moteur. Elles sont toutes les deux solidaires de la boîte de transfert principale. Ces deux poulies sont liées par une courroie qu'il suffit de tendre pour embrayer. La courroie est tendue par la rotation d'un excentré. Le trou au milieu de la pièce n'est pas centré. Du coup, quand on applique une pression hydraulique au vérin, il pousse le levier vers le bas, ce qui fait tourner la pièce excentrée, faisant descendre l'axe de la poulie, ce qui tend la courroie. Quand on relâche la pression, le levier remonte et la courroie se détend. On débraye. Je reviens au précédent schéma de toute la documentation disponible sur ce sous-système du Cabri G2, cette vue électro-hydromécanique est de mon point de vue la plus intéressante. On y voit le symbole du restricteur, une sorte de capillaire qui permet d'établir la pression dans le circuit plus graduellement, le symbole de l'anti-retour qui permet de conserver la pression établie dans le vérin, même si celle du moteur chute. Je résume. Si le voyant clutch s'allume, c'est que la pression mesurée entre le piston du vérin et le clapet anti-retour est tombé en dessous de 3,6 bars. Il a bien fallu que cette pression s'échappe d'un côté ou de l'autre. De deux choses l'une, soit ma pression d'huile est trop basse dans le moteur et mon clapet anti-retour ne fonctionne pas, soit mon vérin a une très légère fuite. Je n'ai pas encore la réponse, car j'ai récemment formulé ces hypothèses en analysant la situation pour écrire cette vidéo. Mais ne doutez pas que je vais faire en sorte d'avoir des certitudes sur le sujet. Vous êtes toujours là ? Je viens de montrer qu'indépendamment de toute autre indication, l'allumage du voyant clutch est à prendre très au sérieux. D'ailleurs, nous pouvions entendre la courroie siffler, signe d'un dérapage qui confirme le sérieux du problème.
Maintenant, si la pression chute dans le vérin, si on exclut une fuite majeure, c'est que le circuit hydraulique n'est plus suffisamment sous pression. C'est donc probablement qu'on a un problème de pression d'huile au niveau du moteur. Ici encore, je me reporte au manuel de vol, section 3, procédure d'urgence, paramètres EPM en dehors des valeurs normales. Et je lis qu'en dessous de 3,6 bars, l'EPM affiche la pression d'huile en jaune. Mais comme vous pouvez le constater, ça n'est pas le cas pour nous. C'est justement ce que je fais remarquer à Matthew quelques secondes avant que l'indicateur ne passe finalement en jaune. Alors comment est-il possible que le clutch s'allume en raison d'une pression inférieure à 3,6 bars si l'EPM ne me signale pas aussi une pression basse dans le circuit d'huile? Ne vous cassez pas la tête, je m'en suis chargé et avant moi, le bureau d'études Gimbal. Ce que nous avons observé est la cause directe de la création du service bulletin SB21014A qui déplace la prise de pression d'huile moteur plus près de celle qui alimente le clutch en pression hydraulique, afin de faire disparaître cette possible incohérence de mesure. Voilà déjà une première réponse, je vous engage à faire appliquer cette opération minime sur votre Cabri G2, on parle de quelques centaines d'euros de pièces et de main d'œuvre. Mais alors pourquoi ma pression d'huile est-elle descendue en dessous de 3,6 bars dans le moteur? La réponse est très simple, et comme je vous le disais en introduction, c'est directement de notre faute. Je vous explique ça après vous avoir montré comment cet incident s'est terminé pour nous, vous allez voir, c'est plutôt classe. November Echo, do you have Battersea in sight? We do, November Echo. Roger, contact Battersea now, 134.280. 134.280, November Echo. Foxtrot Hotel, uniform November Echo, Battersea 10. Continue along the river, make a straight to approach runway 02, surface wind 140 degrees, 4 knots, QNH 1019. Copy that, straight in 02, we'll give you a call on final to Foxtrot November Echo. November Echo, just to understand that you have a low oil pressure, no other symptoms, and say again the POB. It's 2 BOP, it's a Cabri T2. We have low oil pressure, but the result of that is that the belt drive for the rotors can also be reduced. November Echo, Roger. So, can you see Battersea there? Yeah, absolutely. We should start the descent? Yeah. Okay. I can see the marshaller. Yeah. Okay. And final 02, November Echo. Golf November Echo, runway 02100 degrees, 5 knots, clear to land. After landing, I remain on the platform. I remain on the platform, November Echo. So maybe just try and bring it to a bit of a higher hover at... Yeah. But I don't want to be too high outside ground effect because, you know, we don't know what we can expect, so... Okay, we are not so bad, and now it's a precaution, okay? Yeah, now you can start to slow the down. Start, the wind is okay. Yeah, and we don't remain on this platform. Yeah, we will. But it's not the... Okay, I will face the wind now. Yep, I'm just here. Power. That's it. They're just there. And then if we shut down. Oh, shut down here? Yep. Okay. Shit. Well, you got another heliport in anyway. What? You got another heliport in. Was not the plan, but... Bon, pour vous expliquer ce qui se passe, low fuel, en fait, on est en low pressure d'huile. On avait un problème de pression d'huile qui était dans le jaune. Et ce qui se passe, c'est que du coup, ça agit sur l'embrayage de l'hélico. Et c'est pas une bonne nouvelle quand on est au-dessus d'une ville aussi grosse. Et donc, on allait se poser à l'autre héliport. C'était absolument pas prévu, bien sûr. Voilà, on est posé à Battersea, l'héliport de Londres. Et les camions de pompiers arrivent les uns après les autres, pas moins de 7, qui ne pourront d'ailleurs pas tous rentrer dans l'enceinte de l'héliport. On nous a expliqué que quel que soit le nombre de passagers, c'est le nombre de camions qui viennent en cas d'urgence. Avant de vous montrer notre décollage le lendemain, je vous explique donc la cause de notre pression d'huile basse. Avant le premier vol de la journée, on effectue une prévol complète dans laquelle on vérifie le niveau d'huile. Cette dernière opération ne peut être répétée, une fois le moteur chaud. Ce jour-là, quelqu'un a volé sur le Cabri avant moi et son niveau d'huile devait être très bas, peut-être même un peu trop. Quand il est revenu de vol, j'ai à mon tour pris la machine sans pouvoir vérifier l'huile ni en rajouter. En effet, le moteur était chaud. Le premier vol, jusqu'au Skyport Heliport, que je vous ai montré dans la précédente vidéo, s'est déroulé sans encombre. Mais comme vous l'avez vu, le retour fut une toute autre histoire. Une fois posé à l'héliport et après avoir laissé refroidir l'hélicoptère plusieurs heures, nous avons pu effectivement constater un niveau d'huile anormalement bas. Nous sommes revenus prendre l'hélicoptère le lendemain avec Grégoire. Avant de pouvoir redécoller, j'ai dû suivre la formation de l'héliport dispensée dans la tour par le contrôleur et répondre à un QCM. Sachez qu'en dehors d'une urgence comme la nôtre, cette formation est obligatoire avant de venir à l'héliport de Londres. Mais vous pouvez la suivre par téléphone avant de venir. Il me reste à remercier infiniment l'héliport de Londres d'avoir accueilli gratuitement notre Cabri G2 durant 2 jours.
Je vous laisse sur les images de notre décollage. C'était Low Fuel. Pensez à bien vérifier votre niveau d'huile et à bientôt. T'es prêt ? Prêt à gauche. Starting up. Foxtrot November Echo, if it's okay with you, we would like to warm up before then hovering to test the oil pressure. Foxtrot November Echo, roger, that shouldn't be an issue, I have your clearance. Voilà le fuel, donc on est à Battersea, héliport, héliport de Londres, et on est en train de vérifier si notre hélicoptère est capable de décoller. Alors il faut faire très attention quand il fait chaud, c'est quelque chose qu'il faut rappeler quand il fait chaud. C'est comme si on décollait de beaucoup plus haut et donc on a moins de puissance. Alors aujourd'hui on a 13 degrés de plus que ce que serait normalement la température ISA. On est au niveau de la mer donc c'est pas difficile à calculer, hein. Il fait 28 degrés au lieu de 15. 13 degrés de plus, on multiplie ça par 124 et ça nous donne l'altitude à laquelle on est entre guillemets en réalité. Et donc on fait très attention à ça parce que ce type de décollage est un peu particulier, on décolle d'un héliport qui est sur une berge et du coup dès qu'on sort de l'héliport, on se retrouve au-dessus de l'eau, en dehors de l'effet de sol. Ça fait moins de puissance, plus moins de puissance égale beaucoup moins de puissance. Alors bien sûr on ne fait que survoler la Tamise, pourtant on a des gilets de sauvetage parce que le choix en cas de problème c'est de se mettre à l'eau. Il est impossible d'imaginer se cracher dans un immeuble ou quelque chose comme ça, ce serait trop dangereux pour les populations. Donc le choix éclairé qu'on doit faire, à part vraiment si on a une zone dégagée sur la rive, c'est de se mettre à l'eau et donc on porte des gilets de sauvetage. Parce que il peut y avoir beaucoup de courants dans les fleuves et de toute façon il faut porter un gilet de sauvetage. Et aussi parce que se cracher dans un immeuble est beaucoup plus douloureux pour nous que de se poser dans l'eau. C'est vrai. Très égoïstement. Foxtrot Hotel Victor November Echo, the warm-up is finished. We would like to hover now. Foxtrot November Echo, hover as required, wind 210 degrees, 11 gusting 21 knots. Hover as required, Foxtrot November Echo. On a bien retiré les roues, hein. Oui. Tu me dis, regarde la pression d'huile. 6-3, 6-4, elle est presque au maxi. Elle reste stable, elle est au maxi du vert. Par contre, on tire de la puissance. Hein. Ah, quand même. Regarde, le vent s'est arrêté aussi. Ah, le vent s'est arrêté, ce con. Voilà, là, ouais. Il revient. Et d'un seul coup, on a plus besoin de puissance. Ouais. Je suis full pedal right là. C'est bon à savoir, tu vois. Ouais. Et j'étais Ça va, je te jette pas sur les commandes. Oh non, ça va. Bon, on a l'air d'être bon, hein. On a l'air d'être bon. Ok. Battersea, Foxtrot Hotel, Victor November Echo, we are ready for takeoff. Foxtrot November Echo, roger, squawk 7030, cleared Hotel 10, VFR, standard altitude, the clearance limit at Kew Bridge. 7030, standard altitude, clear to Kew Bridge. Foxtrot November Echo. Foxtrot November Echo, taxi runway 20, clear for takeoff, wind 190 degrees, 7 knots. You take off forward and take a run from the platform. So I want you to transition forward, building up speed, but you actually go from the platform. Okay, transition forward, then left, November Echo. Allez, c'est parti. Il y a du vent. On a l'accrochage. 80% de puissance, tout voyant éteint, on est dans le vert partout. 52. Battersea Tower, Foxtrot November Echo, everything looks green for us. Foxtrot November Echo, roger, contact Heathrow 125.625. With ISO 125.625, thank you very much for the service. Have a nice day, guys. Bye bye now. 125.625, ISO radar. Okay. ISO radar, Foxtrot Hotel Victor November Echo, good day. Foxtrot Hotel Victor November Echo, ISO, Slumming QNH 1013, squawk ID and confirm your passing altitude.
Skog Island, and QNH is 1013, and the altitude, standard operation altitude. Foxtrot November Echo, Roger, thank you. Clear in the limit, hangar lane. Clear to hangar lane, Foxtrot November Echo. Voilà le fuel, on vient de décoller de Battersea Heliport, de l'héliport de Londres, avec Grégoire. On vit toute une aventure aujourd'hui, c'est pour ça qu'on fait de l'hélicoptère, c'est complètement génial. Rien de tout ça n'était prévu, et il y a souvent des imprévus en hélicoptère. Tant que ça reste dans la sécurité, je pense que c'est la plus belle partie de l'aéronautique. Et donc on a eu des super instants avec la tour de contrôle de Battersea, avec les pompiers de Battersea, etc., etc., qui ont été très à l'écoute, très autour de nous, parce que ce qui nous est arrivé quand même pas anodin. Donc voilà, c'était plutôt un moment super chouette. C'est super rigolo de se balader là et de se dire, en même temps on y pense, hein, que ça va être une vidéo plus tard et que vous allez pouvoir vous balader avec nous. C'est marrant de penser à tout ce que vous verrez, qu'on voit quand même pas tous les jours là, ce qu'on a fait ces derniers jours. C'est des choses qui sont complètement exceptionnelles. Il faut pouvoir avoir une pratique de l'hélico assez libre pour pouvoir traverser la Manche, pour aller survoler l'Heli Lane, se poser dans un héliport qui est restreint d'une manière assez stricte. Donc vraiment, on vit le rêve de l'hélico à plein. Bah, c'était le contrat. Hein. C'était le deal. Si c'est pour faire des tours de piste, je crois que j'aurais pas continué l'hélico parce que ça m'aurait plus amusé très vite.